À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voix à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. La Palestinienne Lina Abou Akleh s'engage pour la protection des journalistes et la liberté de la presse. Je m'appelle Lina Abou Akleh. Je suis palestinienne arménienne, originaire de Jérusalem, et la nièce de Shirin Abou Akleh. Je milite pour la justice et contre l'impunité des assassins de ma seule et unique tante Shirin. Avant de me lancer dans ce combat, je venais de terminer mes études internationales en droit humain. Et j'étais en phase de recherche d'emploi. Cette balle a changé ma vie, et celle de ma famille pour toujours. L'impunité des auteurs est ce qui m'a poussée à défendre les intérêts de ma tante. C'est la nécessité d'obtenir justice et de faire passer son message qui me pousse à agir. J'aimerais que de meilleurs mécanismes soient instaurés pour protéger les journalistes dans les zones de conflit. Cela permettrait de les protéger lorsqu'ils effectuent des reportages sur le terrain. Nous saluons tous les efforts déployés pour lancer une enquête, quel que soit le parti impliqué, tant qu'il s'agit d'une enquête indépendante. Et nous poursuivrons notre combat pour la justice et contre l'impunité, peu importe le temps que cela prendra ou l'endroit où cela nous mènera. Elle m'a toujours motivée, mais elle m'a aussi inspirée et encouragée. C'était une personne que j'admirais. Une femme indépendante qui a brisé toutes les normes de genre en étant l'une des premières femmes arabes à réaliser des reportages sur le terrain. Shirin était connue pour être proche des gens. Son objectif était de transmettre leur message au monde entier. Et surtout, Shirin a humanisé les histoires des Palestiniens, ce qui l'a vraiment distinguée en tant que journaliste. Elle était toujours très prudente et prenait ses précautions en portant son gilet presse et son casque. Elle n'a pas mis sa vie en danger, ni celle de son équipe. Elle a été source d'inspiration pour une génération de Palestiniens et d'Arabes souhaitant devenir journalistes. Elle était la voix des Palestiniens, de la justice, de la vérité, mettant les questions importantes en évidence, celles qui ne bénéficiaient pas de la couverture médiatique internationale qu'elle méritait. J'ai été nominée par le Time 100 Next et très honorée d'avoir été choisie. J'ai eu le sentiment que mon combat et ma campagne pour la justice pour Shirin étaient entendus à l'échelle internationale. Mon message est le suivant. Continuez à parler de Shirin et à demander que justice soit faite et que l'impunité cesse. Ce qui lui est arrivé n'est pas un incident isolé. Elle n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Il faut que les auteurs soient tenus pour responsables afin d'éviter que cela ne se reproduise.